Salut, salut tout le monde, bienvenue, c'est l'Arcangélion. On se retrouve sur un nouveau jeu, donc. Alors, c'était quoi déjà? Blazing Cell. Ouais, c'est ça, Blazing Cell. Un jeu sorti le 3 octobre 2019 de Get Up Game. Ouais, voilà. Donc c'est un multijoueur, je crois. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, je pense. On va aller voir un peu. Alors, comment ça marche? D'accord, ça se joue pas à la manette. Déjà, ça commence bien. Ensuite. Ok. Donc ici ce qu'on a, là c'est pour sortir, là c'est les paramètres, options, contrôle, mousse, sensibilité, expérience, verrouillage, filtre. Ok, les contrôles. J'avais déjà paramétré. Ok. Ah bah on peut jouer à la manette. Bah pourquoi c'est pas pris en compte alors? Ouais, c'est manette. Manette et beaucoup clavier quand même. Ok, bon, on verra bien. Vidéo. On est bien en full screen. Tac 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 tac. Bon bah ça a l'air d'aller hein. Oujouf. Ok. Bon ça c'est tout ce qui est technique. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on est bon. Alors j'ai déjà fait le personnage. Je sais pas, donc absent en ligne, en jeu. Non, ça on s'en fout. Mode streamer. Alors le navire. Comme vous voyez, vous pouvez custom le navire. C'est vous qui choisissez. Ah ok, il y a d'autres trucs. Ça fait penser à... Oh, comment ça s'appelait? Pirate. Calion. Le sloop, c'est le plus petit. Alors après, vous avez... le pirate par lui-même, que vous pouvez aussi custom, donc au niveau de l'apparence. Voilà, voilà. Hop. D'accord, ça c'est que des infos. Et alors on peut jouer. On va faire le tutoriel. On est parti. Alors, est-ce
Est-ce que ça marche maintenant le... Ouais, ça a l'air de marcher. D'accord, fallait être en jeu. Fallait être en jeu. Hop. Aïe aïe, Captain, aïe. D'accord. Bateau en rue. Ok. On va aller là-bas, hein, puisqu'il nous demande. Ah, Y. Hop, on l'a récupéré. Voilà. Ok. Donc ça a l'air d'être un MMO. Ok, ça c'est fait. Hop, on va aller par là. La corde. Des boules. Ok. Prenez un arme tiré sur la cible. Aye, aye, Captain. Alors. Aye. Aïe, aïe, Captain. Voilà, on va y arriver. Bon, je pense que c'est bon. C'est le bateau. Ok, on est dans le bateau. D'accord, ça c'est la pompe. Le problème c'est que je joue tout seul, moi, donc si c'est un multi, c'est dedans. Ça c'est le bouchon. Ok. D'accord, c'est l'armure. Ah, les boulets. D'accord, donc il y a différents boulets. Ok.
faut réduire la voilure. Je vais devoir tout faire tout seul. Réduisez la voilure pour faire avancer le navire. C'est pas réduire, c'est augmenter. Ok. Pas encore assez. Voilà. On va baisser un peu. J'ai pas envie de passer trop vite. Alors après, il y a quoi faire ici? Réduisez la voilure pour faire avancer le navire. Ah ouais, ils veulent rien entendre en fait. Ah si, ici. Allez, c'est bon. Prenez la barre. On prend la barre. C'est un peu dans... D'accord. Je dois aller où là? Aïe, ah, ça commence fort. Encore heureux que j'ai réduit la voilure. Je suis censé aller où? Là-bas. Ok. C'est bon. Alors, se mettre en position et baisser l'ancre. D'accord. On va se prendre le rocher à tous les coups. Non, même pas. Bon, au niveau design, c'est pas trop ma tasse de thé. Mettre plus de... On y est ou on n'y est pas là? J'ai pas l'air d'avancer. Hein. C'est normal? Mettez-vous en position et jetez l'ancre.
moi je veux bien, mais quand est-ce qu'on avance là? Ok, il va pas me... D'accord. Bon, c'est là qu'il fallait le... Voilà, là on est bon. Utilisez maintenant vos canons pour faire exploser le navire. On va prendre le premier. Ce sera plus simple. Ça marche comment? Ok, bon bah écoutez. On va viser la coque. Hein. Mais il n'y a pas de boulet là. Pas de munitions. Ok, faut aller chercher les munitions. Boulet anti-canon. Anti-sail canon. Donc ça c'est la voile. Ok, on prend tout. On verra. Il n'y a rien d'autre à prendre de toute façon. Ah, il a tourné. Ah, il fait sa vie en fait le bateau. Ok, cette fois-ci c'est bon. Celui-là c'est contre le mât. Et celui-là, c'est contre les boulets, contre les canons. Ah ben, on a le temps. Hein. D'accord, fallait charger. Parce que c'était déjà pas assez embêtant. Ah oui, il va falloir faire ça tout le temps. Punaise, il est vachement marrant leur jeu. Non. Il est temps d'améliorer votre navire, ouvrez l'inventaire et effectuez un clic pour améliorer le canon. Donc ça c'est la carte. Inventaire. Yar! Fire the left cannons! Aye, 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 Captain.
Ok, là je comprends déjà plus ce qu'ils veulent de moi. Yar! Améliorer down, bah c'est le bas. Ok, ça c'est fait. Et ensuite, c'est pas ça. Il est temps d'améliorer votre navire. Ouvrez l'inventaire, effectuez un clic droit. Oh punaise. Ouvrez votre carte assignation view. Ensuite, franchement, il est. Je m'amuse pas là. Pour faire glisser la carte. Pour placer un marqueur. I marked the location. Over there. Aye. Ils veulent quoi là? Ok, on a pris le bonus. Utiliser le cabestan pour lever l'ancre. Ok. Zone morte se rapproche tant que votre navire. Et dans la zone morte, il subira des dégâts. Alors mieux vaut en sortir. Ok. Là, on vient de se prendre la plage. Bah oui, évidemment. Allez. Attention, la zone morte se rapproche. Faut que votre navire dans la zone morte, s'il subira des dégâts, alors mieux vaut en sortir. Ok, d'accord. Et donc ça oblige à la confrontation. Puisqu'à la fin, tous les bateaux se retrouvent dans une zone... Attention les gars. Utiliser la longue vue pour repérer le navire ennemi. Bah il est là-bas le navire ennemi, non? Aïe aïe, Captain! Punaise, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le faire. Bah, il est là. I marked the location. Alors, maintenant déplacez-vous vers le dernier ennemi et montez à bord en utilisant les échelles. Ok. Allez, on tourne.
Ouais, c'est pas GGN, hein. Tu me diras, c'est peut-être un peu comme Skull and Bone, hein, mais... Il paraît que c'est un sacré navet, Skull and Bone. Alors que c'était censé être une perle. Il paraît que Black Flag, c'est mieux. Alors que c'est le même... C'est Ubisoft, quoi. Mais bon, si Ubisoft faisait quelque chose de bien depuis longtemps, ça serait... sur le bateau. J'ai baissé l'ancre. Je chope. D'accord, ça c'est fait. Super l'idée de devoir faire. C'est quoi ça? Utiliser le canon. Bon, il est où là? La personne. Faites sauter le bouchon du navire ennemi et regardez le couler. Super intéressant. Y a pas des trucs à récupérer? Y a rien là. Y a rien qui freine là. C'est pas du bois ça? Bon. Y a rien qui traîne maintenant. Il n'y a pas de bois, il n'y a pas de corde, il n'y a rien. Je peux rien récupérer. Ah oui, ça va vite. Félicitations de terminer le tutoriel. Désormais pour ma mère. Ouais, ça me donne pas envie d'en voir plus. Pourquoi il fait ça? Oh la vache! C'est pas maniable du tout! Menu principal, moi je veux bien. Ok, comme ça c'est fait. J'ai remis la manette. Eh ben, il est bien naze votre jeu. Je crois qu'on peut pas plus naze. Je veux pas. Alors, Play Battle Royale, Tutorial Practice, Host Custom, Jeune Custom, Valéon Conquer.
Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi practice? D'accord. Aïe aïe, Captain. Ok, si tu veux. Ouais, c'est simplement une aire pour dire de... Ah, ok, c'est toutes les armes qu'on peut utiliser. Ok. C'est censé être fun, ça? Donc les mêmes boulets marchent pour différents types de canons. Ouais. Ok. Et si on veut sortir d'ici, on fait comment? Ok. Bon, on va essayer, on verra bien, mais bon, on va se faire démonter. Hein. Matchmaking, à mon avis, il n'y a plus personne sur ce jeu de toute façon. Si tant est qu'il y ait eu quelqu'un un jour, je dois être le seul à l'avoir testé, le machin. La mort du fun. Ah ouais. Quoi qu'il y a l'air d'avoir du monde quand même, parce que on met le temps, on est en 7ème position. Faut vraiment avoir envie d'y jouer en fait. Sérieux? Le pire c'est que on met un temps dingue à rentrer sur le match alors qu'en gros on va se faire dégager en 2 secondes. Ça y est, c'est parti. Blazing Sail. Match commence dans... D'accord. Ah si, il y a des gens.
Ah, il y a beaucoup de monde. Attendez, mine de rien, il y a du monde. On est tous à poil? Il y a du squelette qui arrive. Il y a un punk. Oh non. Un ninja. Il y en a qui font flop flop. Ok. C'est la foire le truc. Bon, on va se mettre à sauter comme un malade, hein, comme tout le monde. Ce serait dommage de ne pas céder aux conventions. Agabé. Alors, Trident, Bandy Bay, Forgotten. Ok. Préparez-vous au combat. Il y a l'air d'avoir quelque chose là-bas. Il a l'air d'avoir un coffre sur... Là, il y a un coffre. Voilà. Ah zut, bon, on n'aura pas fait long feu. Hein. On n'aura vraiment pas fait long feu. Ah zut. On va mourir à poison. Ouais. Il va nous camper. Hein. Il est dans l'eau. Ah, ils vont nous camper. Ah bah il va me foutre en l'air mon bateau. Ils sont à deux. Ils sont à deux. Ouais, faut connaître. Hein. We're gonna sink. Thank you.
pas. Ouais, ils sont à deux. Ils vont camper le truc le temps que ça coule. We're sinking! Oh punaise. We're gonna sink. Il m'a claqué sur les voiles. Alors déjà j'ai pas de talent, mais alors s'il faut jouer sur mon... Bon bah c'est pas pour moi définitivement. Ah, on voit ce que les autres y font. Ah, ils jouent ensemble en fait les mecs. Ok, bon bah c'est pas pour moi. Je jouerai tout seul donc ça sert à rien. À chaque fois je vais me faire éclater par les groupes. Déjà, gérer une personne, c'est pas simple, mais alors en gérer 2-3, c'est même pas la peine. Over there. Ok. Bon bah on va regarder quelqu'un d'autre qui sait jouer. Hein. Je suis désolé hein, mais au moins ça vous fait une présentation de quelqu'un qui sait. C'est toujours mieux que quelqu'un qui ne sait pas et qui joue pour la première fois. Enemy spotted in the north. Ah, il retourne à son bateau. Ça on l'a fait ça. Ah bah ça y est, ils sont déjà en train de se faire éclater. Ah il répare. Ah oui, c'est pour ça qu'il joue à plusieurs, il y en a un qui répare pendant que l'autre il tire. Ah ils sont pas tout seuls sur leur navire. Ouais, lui, il reste dans les cales pendant que ses copains, pendant ce temps-là, eux, ils... Ouais, ils sont à deux, là, déjà. Trois. D'accord. Ils sont à quatre. Ouais, donc c'est même pas la peine, toi tu vas faire tout seul, tout ça. Tu vas te faire éclater, tu vas te faire par la bordel. C'est définitivement pas un jeu à faire en solo. J'ai intérêt à avoir des potes avec vous sur l'aventure.
Level 100. Qu'est-ce que tu veux faire contre un level 100? D'accord, il récupère les caisses. Il part en solo, hein. Utilise quoi comme fusil? Un double de deux coups. D'accord. Ah, il récupère du bois. Il récupère du bois pour les réparations. Vu que c'est lui qui s'occupe de la coque. Pendant que ses potes, il y en a un qui s'occupe du canon et deux autres qui. Il y en a un qui tire certainement sur l'équipage. Et un autre qui pilote le navire. Récupère des boulets aussi. Ah, ça s'affronte. Ouais, vous voyez, c'est parti, ce l'étage en fait. Et vous êtes à la bordel pendant que vous allez péter. Ah, il va leur piquer leur. Ok, il va leur piquer leur denrée. Ah, vous voyez, ils sont à plusieurs, ils sont déjà à deux à intervenir. Ah, il est dans la mauvaise zone. Je recharge son arme. Ok. En fait, il saute tous les 5 secondes du bateau, lui.
c'est un trident. Ah ça y est, je suis en train d'attaquer un troisième bateau. J'ai quand même eu un truc. J'ai pompé. Je te jure. Ok, bon écoutez, je pense qu'on va pas aller plus loin que ça. Ça sert à rien. De toute façon, je pourrais pas y jouer. J'ai pas de team avec moi. Donc en gros ça se joue en team, hein. Y allez pas seul, ça sert à rien, vous allez vous faire défoncer. Ok, bon bah c'était ma présentation de Blazing Sail, un jeu get up game et qui est sorti le 3 octobre 2019. Allez, j'espère que mes présentations de jeu vous intéressent et vous plaisent, que vous comprenez leur intérêt puisque c'est pour vous aider à faire vos choix. Vous voyez, là c'est un jeu gratuit, hein, mais sur Epic Games. Mais bon, de toute façon, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Salut tout le monde. Bye bye.